Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA devront être en mesure de recevoir et d'émettre des factures au format électronique. Et quelle plateforme choisir? Quels sont les critères à prendre en compte? Quelles sont les différences entre le portail public de facturation et les plateformes de dématérialisation partenaires? Nous vous donnons rendez-vous les 28 et 29 septembre prochains au 78e congrès de l'Ordre des experts comptables à Montpellier, en compagnie de Cédric Ribeiro, expert comptable du groupe Adhesio, pour répondre à toutes vos questions. Venez nombreux!